Mi è molto sbagliato. Hermelin, oui. Joli Christophe, ouais. Eric, ouais. L'homme, ouais. Marionnet, oui. Melun, oui. De La Roche. C'est bien quelqu'un de vous qui est venu. Que tout le monde vous voit tout de suite pour. À Chambord, en ce petit matin de février, Enzo Bracco est venu spécialement du Piémont pour participer à l'opération annuelle du panotage. Les cerfs vivants que l'on capture aujourd'hui sont pour lui. Il les emmènera le soir même en Italie pour repeupler les montagnes de sa région, désertées par l'animal depuis 250 ans. Il y a 5 lignes, hein. On essaye de faire 5 paquets. Et les chefs de ligne, il faut prendre des boucles aux Italiens. Oui. Là au maximum. Remontez au maximum. Donne-moi les poids, cool, là. Levez. Moins de 36 heures plus tard, et plus de 1000 km de route, les animaux de Chambord atteignent les montagnes du Piémont. C'est la cinquième fois qu'un tel convoi rejoint ces vallées enneigées. 20 nouveaux cervidés vont retrouver dans quelques heures les 80 cerfs français déjà relâchés ici depuis 8 ans. L'année dernière, on a lâché dans cette vallée, là dans le fond. Je ne sais pas cette année si c'est au même endroit. Tout le village de Paesana est rassemblé pour l'événement. L'arrivée du cerf, c'est pour tous le retour d'une nature disparue, celle qu'ont connue leurs ancêtres. Depuis 15 ans, Enzo Bracco se bat pour la faire revenir. C'est lui le maître d'œuvre. L'opération du jour est délicate. Avant de procéder au lâcher des animaux, il doit, comme à chaque fois, obtenir l'ultime feu vert de l'administration. Et cette fois encore, le vétérinaire contrôleur conteste les conditions de transport des cervidés. Tout est OK, les Français nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Si ça avait été un transport en Italie, la loi italienne prévoit des obligations particulières. Mais en France, quand les animaux sont placés dans des caisses comme ici, les douaniers appliquent la norme française. Le transporteur m'a montré le règlement qu'il a respecté. Je ne veux pas faire cette distinction. Non. Je suis surpris car on m'avait dit qu'il y avait un camion spécialement adapté pour le transport des animaux. C'est ce qu'on m'avait annoncé. Moi, j'ai vérifié auprès du transporteur qui m'a dit que tout était en règle. On a même l'autorisation de la préfecture française. Et le transporteur nous a dit qu'il avait déjà fait ça dans d'autres pays étrangers. En Espagne et même chez nous à Vercelli. Et avec plein d'autres.
Qu'est-ce que vous voulez? En Italie, les normes ne sont pas les mêmes. Et en Europe non plus. Maintenant, si pour les Français ça va, alors bon... En attendant l'harmonisation des législations européennes sur le transport des grands animaux, le vétérinaire a enfin donné le signal attendu. Enzo a connu tant de péripéties dans son grand combat pour la réintroduction des cerfs qu'il se concentre maintenant sur l'étape suivante, libérer d'urgence les animaux enfermés depuis 2 jours. J'ai décidé d'aller chercher le cerf à Chambord parce que quand j'ai vu les animaux qu'il était lâché dans 20 ans avant, dans les années 70, j'ai vu que c'était d'animaux extraordinaires, beaux, qu'il était structuré comme tous les animaux de montagne, qui ne sont pas de grands cerfs, qui sont courts. J'ai vu des animaux magnifiques. Et en regardant des photos, des vidéos, tout ça, je dis, bon, ce cerf-là, c'est un cerf montagnard. C'est pas un seul cœur de machine. Ça va. Oui. 10 ans d'acharnement. Ce nouveau lâcher couronne définitivement les efforts d'un passionné. Dans l'incrédulité générale, grâce au soutien financier d'un ami courageux, Enzo Bracco a convaincu ici une 3e vallée du Piémont d'accueillir le cerf disparu depuis 2 siècles. Ici, dans la vallée du Pô, notre projet prévoit de lâcher 60 cerfs en 3 ans, 20 en 98, 20 en 99. Aujourd'hui, c'est la 2e étape du projet. La réintroduction du cerf dans les Alpes italiennes a commencé en 1991 dans la vallée Stura et a continué en 95, 96 et 98 pour un total de 103 animaux de Chambord et lâchés. On espère dans l'avenir repeupler les 2 vallées qui séparent encore les colonies pour compléter la réintroduction des cerfs dans toutes les Alpes maritimes italiennes. Aujourd'hui, on va monter voir dans cette zone-là. On va aller au plateau de la Reine, dans la partie haute. Dès leur libération, les animaux demandent une attention de tous les instants. Ils incarnent la nature ressuscitée et l'espoir de toute la vallée. Mais leur avenir est encore fragile. Enzo doit s'assurer de leur bonne adaptation. Dès le lendemain, il revient sur les lieux du lâcher et tente d'apercevoir les nouveaux arrivés. Fa freddo. Il fait froid. Oggi non riusciamo a vedere. À part ce quelques chamois là-haut, on ne pourra rien voir aujourd'hui. Aucun animal n'est visible. On voit bien des traces, mais pas l'ombre d'un cerf. Ils sont tous dans le bois. Ils se cachent dans le sous-bois, tranquilles. En 1991, nous avons libéré 13 cerfs ici sur le plateau de la Reine. Et avec l'hélicoptère, en les prenant dans le village des Pietra Porzo en bas, nous les avons emmenés tout en haut du mont Baccia, à 2300 mètres d'altitude, parce qu'il y avait un fort enneigement, environ 1,50 m de neige. Nous les avons lâchés là-haut pour éviter qu'ils ne finissent rapidement sur les routes. Les libérer dans une zone de haute montagne leur offre la possibilité de trouver de la nourriture et des zones de repos.
Parce que de quoi a besoin un animal? Comme tous les autres herbivores, il a besoin d'abord de pouvoir s'alimenter. Il a surtout besoin de tranquillité. Qui vediamo gli animali uscire. C'è un. Là, on voit les animaux qui vont sortir. Ils ont la possibilité de s'enfuir dans la neige, et de là, ils vont trouver le bois, à 200 mètres, où ils se retrouveront en sécurité. Quand ils regardent à l'extérieur des caisses, ils voient cet élément nouveau qu'ils ne connaissent pas, la neige. Ils éprouvent une certaine difficulté à sortir parce qu'ils ne connaissent pas cette ambiance. Ils voient du blanc, ils regardent cette neige. Ils sont stressés parce qu'ils ont été enfermés, ils ont été manipulés par la main de l'homme. Mais là, on se rend compte que l'impact de l'environnement nouveau est tout de suite assimilé par l'animal. Même s'il n'est pas familiarisé à la neige, il s'y adapte immédiatement. Regardez celle-là, c'est une petite. Comme elle ne voit pas sa mère devant, elle ne sait pas où aller. Elle regarde, elle attend la mère. Pourtant, dès qu'elle aura trouvé le bois, la verdure, elle s'arrêtera. Ça se passe toujours comme ça. Ces animaux se retrouvent dans un environnement nouveau, la montagne. Or, ils viennent de Chambord. Et à Chambord, quand il y a de la neige, il y en a tout au plus 10 à 20 cm. Lors de ces lâchers, certains animaux ont été équipés d'un collier émetteur. Donc par la suite, nous avons pu contrôler leur survie et d'autres paramètres qui nous intéressaient. Nous avons l'assurance aujourd'hui qu'ils ont tous survécu. Le taux de réussite est de 100%. 10 animaux libérés, 10 animaux en bonne santé. C'est un succès total. Ce territoire est un parc naturel de 2800 hectares. En plus des 500 chamois que nous avons recensés depuis 10 ans, il y a à peu près une centaine de cerfs. Mais tous n'ont pas été observés. La meilleure période pour les comptages est le mois d'avril, quand tous les animaux qui sont là-haut dans les bois, sur le mont Bacha, descendent ici alors qu'en hauteur il y a encore de la neige. Ne jamais perdre les cerfs et les biches de vue. Pour Enzo, tous les moyens sont bons. Au plus fort de l'hiver, lorsque les animaux les plus téméraires se réfugient dans les bois, en altitude, l'hélicoptère permet de les retrouver, de dénombrer les groupes et de situer leur zone d'influence. À plus de 2500 mètres d'altitude, l'œil avisé de leur protecteur mesure les derniers progrès de la vie sauvage. Risali un po' in su così. Piano piano che li vediamo a muovere. Guardali là, entra un po' dentro, ce ne sono degli altri. Entra dentro là, sono là. Qua abbiamo gli altri. Sono là. L'hard, il branco grosso. Se vuoi vai là, vedi i camosci, vai là più in là, lì in quelle rocce c'è pieno.
Guarda, vai piano, piano, guarda il treno. Lascia moi, regarda, regarda le troupeau. Là, c'est joli. Vediate sotto, là. A sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les cervidés que l'on a vus sont ceux qui hivernent en altitude. Ce sont ceux qui ont développé le mieux l'esprit d'adaptation à un milieu purement alpin. Mais beaucoup d'autres cerfs que nous n'avons pas eu l'occasion d'observer aujourd'hui, ils préfèrent rester dans la partie basse de la vallée, dans les bois de chênes. Ils profitent de la présence du châtaignier pour s'alimenter. Tous les cerfs n'ont pas les mêmes réflexes. Et ceux qui préfèrent la basse altitude, c'est Claudio Lovera, garde-chasse, dans l'équipe d'Enzo qui s'en charge. Puisqu'en ce moment les cerfs se cachent, il arpente les places d'hivernage à la recherche du moindre indice de leur présence. Ah, guarda qua. Regardez ça. Questo, un delle fatte. Ce sont des déjections de cerfs. Che significa che. Ce qui veut dire que la nuit, le cerf est présent. Et qu'il se déplace jusqu'ici, car il a des problèmes en hauteur. Alors qu'ici, il y a beaucoup de foin, il a de quoi paître. Et il n'a aucun problème pour gravir les pentes. Il passe entre les rochers, au-dessus. Il s'arrête à n'importe quel endroit. Aucun problème. Il m'est arrivé de rencontrer des braconniers. Et je peux vous dire, ce ne sont pas des moments agréables. J'ai trouvé de nombreux pièges destinés aux cerfs et aux sangliers. J'ai découvert aussi des carcasses de cerfs et de sangliers pris dans ces pièges, qui étaient en train de pourrir. Pour moi, c'est vraiment un péché mortel. J'espère qu'un jour, les gens comprendront la gravité de leurs actes vis-à-vis de la faune. C'est difficile à comprendre le raisonnement d'un braconnier. Quand l'animal qui se croyait roi devient soudain cible et proie, les animaux de Chambord trouvent ici un nouveau danger mortel, car la nature recomposée a réactivé d'anciens affrontements. Sous le regard bienveillant de l'homme, la nouvelle colonie doit faire face à un prédateur oublié, le loup. Il est revenu lui aussi dans la vallée, et Mario le berger a déjà été sa victime. Moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, ça a été en décembre 1994. Il y a eu un animal, de suite, qu'est-ce que c'est? Je pensais pas au loup, même que j'avais entendu dire qu'ils étaient. J'ai jumelé avec un doute. Après, quand il est parti, j'ai vu l'arrière-train un peu baissé, la queue particulière, comme j'avais vu sur des photos à la télévision, j'ai eu la certitude de l'avoir vu. Après, j'ai vu encore quelques fois, et j'ai eu une attaque en 87. 4 bêtes mortes, une mangée, et 3 juste étranglées. C'est le prédateur, l'autre pas.
Le loup, automatiquement, ça sera le cerf. J'ai vu des attaques sur des chevreuils, j'ai pas vu des cerfs, mais il paraît qu'il y en a eu. Malgré le prélèvement naturel du loup, la population des cervidés a littéralement explosé dans les vallées du Piémont, multipliée par 5 en 8 ans. Pour protéger leur installation, la chasse a été interdite pendant 7 ans, et depuis 18 mois, les chasseurs sont autorisés à prélever moins de 10% des animaux. C'est Franco Banis, le beau-frère d'Enzo, qui veille au respect d'une régulation maîtrisée. Toutes les années, on fait des comptages, et sur les comptages, on a le droit à un tant pour cent. C'est pas qu'on peut tuer tout ça qu'on veut. Et même maintenant, on a un plan de tir de cette année, c'est la deuxième année qu'on le chasse, on a 27 bêtes, et chaque personne il a droit à 6 jours de chasse. Et s'il attrape bien, s'il attrape pas, ils ont dépensé leurs argent pour rien, les bêtes restent. Parce que c'est pas facile de le tuer, et puis c'est une chasse neuve pour nous. Si vous voulez. On n'a jamais chassé le cerf, et surtout les premières années, ils ne savaient pas comment faire. On le chassait un peu comme le chamois, mais c'est une autre chasse, c'est différent. Là, c'est ma vallée. Je suis venu là tout petit. J'avais 6 ans quand je suis venu. Et ici, c'est la vallée où c'est que j'ai connu la nature, la faune sauvage. Et bon, en connaissant de copains français, des techniciens de la faune et de l'Office national de la chasse, j'ai vu pour la première fois dans ma vie des cerfs. Une soir, dans les gorges de Valabre, à la cabane de Monégasque, j'ai eu ma vision, comme Saint-Hubert. Et un grand cerf qui bramait, c'était, je pense, le 88. Je dis que c'est pas possible que nous on n'a pas ce magnifique animal, le cerf nobile, la chasse de roi. Et alors là, je travaillais à la Provence comme garde-chasse, je me suis mis à petit pour convaincre les hommes politiques de suivre, de croire dans cette opération. La disparition du cerf, c'est à cause de l'homme. Et alors, il devait être l'homme, c'est d'être intelligent, quelque chose, pour réparer ce qu'il avait fait l'homme. Mais c'est sûr que dans 50 ans, il serait arrivé tout seul. 10 ans, 30 ans, on ne sait pas. Moi, je décidais de le faire parce que je croyais que c'était mieux gérer la réintroduction que subir l'arrivée d'un grand gibier. Entre les longues heures passées avec Léon, le premier descendant des cerfs de Chambord né ici, et l'observation de ses proches parents, qui portent encore aux oreilles les marques de leur origine, Enzo Bracco, en 9 ans, n'a jamais raté le rendez-vous du brame. Qu'est-ce que j'avais pensé, qu'est-ce que j'avais, rêvé, il est devenu réalité. Ça c'est pour moi, c'est ça ma satisfaction. De voir les jeunes, les enfants, des jeunes qui acceptent le cerf comme une chose naturelle. Il n'était pas là quand on a commencé. Et aujourd'hui, il dit, j'ai vu un cerf comme c'est une chose naturelle, c'est à eux. Alors, ça veut dire que nous, on a fait quelque chose pour des autres. Même s'ils ne nous l'avaient pas demandé, on a pensé de faire quelque chose
pour tous. Et on va lâcher quelque chose, un héritage à des autres. Une richesse, c'est sûr. C'est sûr, une richesse pour la vallée. On a complété l'écosystème. Le cerf, il s'est installé. Aujourd'hui, je peux affirmer que dans 10 ans, 8 ans, 9 ans, on a assuré la pérennité à l'espèce. Même s'il y a des erreurs qui sont... S'il y a quelqu'un qui veut tous le tuer, qui veut le faire disparaître, qui veut mal gérer, il aura beaucoup de difficultés. Ça veut dire que nous, on a réussi.